On est le jour du canard. Donc le mercredi. Oh, je sais plus. Bref, comme je date les vidéos, donc là, comme j'en ai marre toujours de répéter la même chose, quand j'appelle le barreau de Strasbourg, donc j'ai des tweets, avocats et barreaux de Strasbourg, et quand ils appellent déjà, jamais ils ne donnent leurs coordonnées, donc je ne sais pas si j'ai la même personne au téléphone ou pas, puisqu'ils ne donnent pas le nom, ils disent même pas, je m'appelle Isabelle ou Nathalie, ou un truc comme ça. Donc chaque fois, je répète la même histoire. Et j'en ai marre, donc je fais cette vidéo YouTube, donc je fais l'objet de tentatives d'extorsion de fonds depuis Perpète la Galette pour des crédits frappés de forclusion. J'ai un ancien curateur, puisque j'étais sous curatelle, ça, le docteur Vincent Fonta au centre Pinel, à qui j'ai envoyé cette vidéo aujourd'hui, il y a de ça quelques semaines, l'a compris, m'aurait conditionnel, bien entendu, escroqué en me faisant transformer par le dépôt d'un dossier de surendettement en 2015, des crédits, donc c'est très technique, revolving que j'avais fait, frappé de forclusion, c'est-à-dire dont normalement je n'aurais plus rien à rembourser en reconnaissance de dettes qui, elles, ne sont pas frappées de forclusion. Voilà. J'ai toujours un employeur qui me doit 450 euros. Les gendarmes de Benfeld ont la preuve matérielle depuis le lundi 18 janvier 2020. Je leur ai présenté un le faux contrat de travail qui est établi par ce monsieur, qui a d'ailleurs acheté l'auto-école étoile. Simclo, il a l'auto-école étoile, il s'appelle Xavier. J'ai aussi le faux certificat sur moi, c'est des documents que j'ai toujours sur moi, ainsi qu'une pièce qui prouve que je crois que c'était en novembre 2011 où j'ai été violenté par des gendarmes de Benfeld, alors que j'allais essayer de récupérer sous puissant psychotrope en faisant un peu de footing au terrain de foot de Rhino. Donc c'est lassant de toujours répéter la même histoire à des gens qui n'en ont rien à foutre. Donc maintenant, il est temps que tous ces gens qui m'ont fait du mal rendent des comptes. Parce que bien entendu, quand on est allocataire du RSA, et quand on n'a pas d'argent dans ce pays, malheureusement, il n'y a personne qui va vous défendre, parce qu'on est donc c'est un pays qui est complètement plongé dans la corruption. J'ai la preuve de corruption même de petits élus. Voilà, donc je vais pas les balancer parce que c'est des petits élus que déjà la justice s'occupe des grands. Hein. Et alors je rajoute que si c'est le bordel dans ce pays, c'est justement dû aux lenteurs de l'administration. J'ai la preuve que si aujourd'hui j'ai une facture de 1800 euros d'EDF, donc la nouvelle assistante sociale et ma référente RSA Marie-Paul Horn est la nouvelle assistante sociale, donc je vais les nommer expressément dans ces vidéos YouTube, comme ça quand on va les googler, on saura que ces gens-là n'ont rien fait pour moi. Elle s'appelle Hélène Munich, injoignable. David Diop, injoignable. Marie-Paul Horn, injoignable. Hélène Munich, injoignable. Voilà. Donc, au barreau de Strasbourg, monsieur l'avocat du barreau, merci de m'appeler au 06 35 17 65 33. Je fais aussi l'objet de tentatives de prélèvement frauduleux de la part de Free Telecom, qui a tenté de prélèver hier soir 23,90 €, ce qui constitue une menace avec condition. Elle est illégale, c'est donc du chantage quand la condition est illégale, c'est-à-dire qu'il y a une menace de coupure pour le 06 02 34 95 13, sur lequel, pour l'instant, vous pouvez encore me joindre. Mais j'ai décidé de ne pas payer, et s'il me coupe la ligne, ben, je lui demanderai des dommages et intérêts. Voilà. End of, je suis envoyé cette vidéo sur YouTube. Tout le monde aura l'occasion de voir ça. Je vais nommer expressément les gens, donc tous ces gens qui n'ont rien fait depuis le début. Alors bien entendu, c'est aussi mon internement abusif avec les pseudo-experts psychiatres. Donc là, j'ai failli mourir, j'ai failli me suicider, j'ai des témoins. Là aussi, dommage et intérêt. Voilà. Et puis, c'est pas des petites sommes que je demande, puisque le dernier, la dernière fois, j'ai demandé 1 million d'euros de dommages et intérêts, parce que j'ai dit la vie n'a pas de prix.
Et enfin, je terminerai par une bonne nouvelle. Je commence à travailler chez Philippe Lérénin, qui m'a donc envoyé hier, leur secrétariat, m'a envoyé donc l'attestation dérogatoire. Et j'ai donc très probablement trouvé un job dans ce que je mérite, tout simplement, puisque j'ai parcouru 450 000 km d'auto-école sans jamais avoir amené un accident, un constat, même partiellement fautif, à aucun de mes précédents employeurs. Voilà, donc ça fait 11 fois le tour de la Terre, sans ramener un peu de malus à aucun de mes précédents employeurs, ça il faut le dénoter. Je suis sorti major de promo de ma session à l'AFPA de Strasbourg en 98, j'ai un CAP BEP en mécanique auto, et bien entendu en 2002 j'ai fait une formation d'informaticien, technicien supérieur d'informatique de gestion à l'AFPA, toujours de Strasbourg. Je passe aussi un coucou à tous ceux qui ont été, je dirais, mes maîtres durant toutes ces années, qui m'ont appris plein de choses. Donc Roland Brenley, ancien maire de Benfeld, monsieur Alain Holz, monsieur Alain Holz, voilà, Philippe Stocker, c'est la mécanique, désolé. Mais bon, voilà, il faut que jeunesse se fasse ou se passe, je ne sais plus. Et puis donc j'ai eu Jean-Pierre Drouigne en informatique, Alain Barthes et puis Alain Verdier, que je salue. Tous m'ont amené énormément de choses, qui aujourd'hui devraient payer, parce que je m'en fous, moi, de j'ai pas envie de partir à la retraite dans 3 ans, j'ai envie de bosser, maintenant que j'ai retrouvé la santé, la forme, je suis debout, là, depuis, j'ai effectivement des nuits de sommeil entrecoupées, mais comme je suis tranquille, je peux dormir tranquillement, récupérer très rapidement aussi, parfois en quelques heures de sommeil, hein, comme, je vais pas dire comme les hommes politiques, parce que... C'est le jour du canard, on terminera quand même par Made in France, cacapoume, cacapoume. Savez-vous planquer vos sous, cacapoume, cacapoume. Obama, qu'est-ce qu'on se ramasse au Commodore, allez-y, c'est incolore. Les petits cartes vont m'interner. Ah!